J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut, Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, se ploter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Lève son haut. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Nah. Anna. Désolé, Anna. Anna. C'est parti en vrille, mais... c'est juste une blague débile. Oh. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna! Josh! Josh! Merde. Hé! Hey, y a quelqu'un dehors! Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Putain, Anna,
Mais t'es où? Je suis trop stupide. Anna, baisse. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode.
quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Ah bon? Pourquoi pas? Oh, de la quiétude solitaire à l'isolement vécu comme une souffrance, il n'y a qu'un pas. Peut-être y reviendrons-nous ultérieurement. Parce que la session se termine. Pour l'instant. En attendant de nous revoir, j'aimerais que vous essayiez de vous entourer d'amis, d'aller dans un endroit où vous vous sentirez en sécurité. Aujourd'hui, le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. F local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on le refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année.
Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti.